Yo la fois, gros bonjour, bonsoir à tous amis sportifs, Entourage TV. Yo, nous saluons et nous contentons d'entrer la caillou. Pour servir, non pas M. Dotelus. Jodi a nous parle de démarrer avec basketball scolaire. Mais avant nous faire ça, si c'est premier fois visiter nous, ou remet sport. Sport c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sous chaîne ça, qu'on recevra sans problème. N'a pas démarrer avec basketball scolaire pour nous dire que 19e édition championnat Asia démarre vendredi qui saute passé là, dans centre et sportif et récréatif Tijo. Dans match inaugural là, dans la catégorie junior, Collège Nouvelle Ligne bat 4 pressoirs 41-37. N'a pas invité au suivre. Ça a été annoncé, 19e édition championnat association sportive interscolaire ASSI, démarré journée vendredi 7 février 2021 dans le centre sportif et récréatif Tijo. Dans la première journée, là, en catégorie junior garçon, Collège Nouvelle Lune bat Collège 4 pressoirs 41-37 dans un match qui était très animé, dans un premier temps par le public là qui t'a mis ambiance et avec Herbie Morin qui t'a fait parler de lui côté le fini meilleur joueur côté là et totalisé 19 points. Donc contre ça qui t'est démarré avec en pleine intensité, t'es été très serré jusqu'à troisième carton côté des équipes qui a égalité 29-29. C'est dans le dernier carton match là que Collège Nouvelle Lune t'est arrivé imposer le sous 4 points et gagné un compte là par 4 points d'écart 41-37. Dans deuxième match soirée, toujours en catégorie junior garçon, Collège Canado-Haïtien perdu contre Collège États-Unis 44-42 de points d'écart. Côté Darcy Marvins finit meilleur joueur en compte là à 13 points. Marie-Paul Janvier, administratrice Collège États-Unis, qui tape suivre en compte là, dit satisfait de l'ouverture compétition. Côté le dit, États-Unis gagne de très grandes ambitions pour Anissa. Je pense que tout le bagage a commencé bien et nous venons là, premier objectif nous pour nous porter victoire. Jusqu'à présent, déroulement très bien et parce que chaque année nous toujours participer là-dedans, bon, nous étions prêts que tout le bagage continue normal. Chaque année, je nous dis, que États-Unis toujours porter, dans toute compétition, toujours porter victoire et Anissa, nous venons là dans le même objectif là. Et pas seulement ici, et dans tout championnat nous passer, objectif nous c'est pour nous. Québec flambeau qui a fini pour toujours Québec côté victoire que j'en nous fait chaque année. N'a pas rappelé 19e édition championnat association sportive interscolaire ASSI a déroulé Anissa avec ses équipes 7 dans catégorie junior, 4 dans catégorie cadette et 5 dans catégorie minime. On va aller à présent en phase réaction après match de deux entraîneurs. D'abord Gabi Désir de Nouvelle Lune qui fait qu'on est que même si yo gagné premier match yo dans compétition, gain en pile travail qui était pour faire dans équipe là. L'été dans micro collaborateur nous Pierre Miguel Pierre Gilles entendez comment t'a parlé. Nous faisons tout pendant les vacances là, tout pays à Télok, Gédélé, nous toujours faisons entraînement. Mais on connaît Pétion, c'est nous-mêmes seulement toujours mettre de la terre. Dernièrement, nous avons parlé, Lolo Baka a joué, tout ça, directrice a dit pour plus, au lieu de faire réserve, quitter Lolo, pas quitter le jouer. À tout Lolo qui a joué. Mais nous démontrons sans Lolo, pas Lolo, cette équipe là, c'est qu'on soit fait. C'est travail avec Joël, tout premier mi-temps, nous avons monté sous nous. Dans le deuxième quart, nous arrivons à passer devant eux, nous battons. Next match, pour nous régler, pour nous faire une plus belle figure devant l'école de Bajou. Pourquoi c'est victoire ça? Tu avais dit son signal que vous lancez pour le championnat? Bon, pour qu'on ait une nouvelle lune, c'est l'équipe champion liée. Si nous venons là, c'est pour champion nous venons. Nous ne venons pas pour deuxième, nous venons pour champion. Faut nous dire que bon côté Pali, Sébastien Pétion, qui c'est entraîneur 4 pressoirs, expliquer défaite là, du fait que c'est une équipe qui en reconstruction, car en pile joueur traversé dans l'autre catégorie. Cependant, il était très optimiste pour suite compétition. Entendez entraîneur 4 pressoirs, Sébastien Pétion. Allez, ça nous, vraiment grand peu de travail pour faire. C'est joueur minime qui était dans minime l'année passée. Joueur cadet, on pourrait tout effectivement aller à Nessa. Tout joueur de gain l'année passée, yo fini. On seul joueur qui était dans l'équipe à Nessa. So, son spécial avec interscolaire, yo vini y aller. So joueur non obligé de travailler avec. On s'en va non. Il y a plus de challenge, man. On s'en va coacher tout le monde, pas facile. Vous bon? Pendant le carnaval là, on va travailler avec eux. Comme d'où? Par là, ils travaillent. Vous voyez, ça me dit, non? Même si vous êtes comme ça, je garantis que vous êtes tout le bagage. Je garantis que dans le championnat, nous ne pouvons pas finir comme ça. Un message pour les fanatiques.
moi merci tout fanatique qui fait déplacement pour venir garder match avec moment de difficulté on s'en veut on t'a souhaité plus monde venir supporter ça qu'a fait dans Asia parce que jeunesse ça c'est avenir nous jeunesse ça aider merci Chevalier. Pour nous clôturer chapitre basketball scolaire là dans une interview li baye collaborateur nous Pierre Miguel Pierre Gilles Jason Valbrun qui s'est président assis exprimer satisfaction li après ouverture 19e édition compétition en raison de incertitude qui t'est gagné dans dernier mois ça yo à cause mouvement nous songer pays l'autre qui était à la mode pendant 3 mois en d'un pays. Entendez Jason Valbrun qui t'a réagi dans micro télévision nationale d'Haïti. Je dis assez avec un peu de satisfaction que nous ouvrons 19e édition championnat assis. Et je nous connais, nous avons une situation particulière dans le pays. Que tout le monde est stressé, tout le monde est dans le caillou. Et je dis à particulièrement la date 7 février, ce n'est pas symbolique pour nous. Que il faut que nous fassions un peu d'effort pour nous connaître pour nous libérer tout le monde. Un peu de monde a besoin de miser. Un peu de monde a besoin de jouer. Un peu de monde a besoin de respirer. Donc c'est job, nous, c'est mission nous comme organisateur pour nous essayer d'aider ça. Et nous espérons que toute entité dans le pays, secteur public, secteur privé, a fait effort pour nous connaître, pour aider, nous supporter, l'organisation ça, pour que nous puissions avoir une chance. Après, je dis à eux en pile là, ils là, parents sont là avec eux, ils viennent supporter l'initiative là. Et je dis à son gros contentement, moi, dans la date ça, avec toute appréhension de l'EA, si vous nous faites déplacer ça, vraiment me satisfait de pouvoir jouer ça. Et nous avons invité Timounio à continuer de déplacer. À partir de semaine ça, de jeudi, match a joué le vendredi, nous avons un seul match et par jour, dans le sens que nous finissons avant 5h30 pour que, avant l'obscurité pour que Timounio cale la caillou. Et nous avons plus de matchs samedi, 3 ou 4 matchs samedi, et nous avons plus bonheur pour que nous puissions Timounio cale jouer et rentrer la caillou en toute sécurité. Nous avons un junior, 7 équipes de catégorie junior là, nous avons 4 cadets et nous avons 5 de catégorie minime. Nous avons dit que nous espérons peut-être une 8e équipe de junior là, parce que l'année ça, encore une fois, il y a un pile d'institutions qui avaient participé, mais ils ont peur, parce que les parents disent, les que Timoun a fini de jouer à 4h30, 5h, ils ont peur que Timoun a prêté la cali qui a eu de leurs difficultés. Nous ne comprenons pas ça, mais encore une fois, nous avons demandé support à l'État, nous avons demandé à la police nationale pour aider nous, essayer pour la police nationale de la sécurité, l'environnement immédiat et centre sportif et créatif toujours, pour que Timoun a cavaqué librement à l'occupation, mais en même temps, tout, après le match, on a rentré la caillou. Joueurs, c'est une, mais fanatiques, ils ont besoin de rentrer la caillou de sécurité. Donc, nous pensons que PNH, nous avons fait appel avec vous pour que nous ayons en sécurité le périmètre et immédiat, cette là, et le côté que Timoun a pris les bus ou bien taxi pour aller à la caillou. Tout HTV est content ensemble avec vous et nous remercions. Si information sport intéresse vous, capable toujours abonner avec chaîne nan, et vous capable ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification Entourage TV. Et ça t'a impressionné nous, si vous capable aider nous grandir chaîne nan. Merci. Ciao.